Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai décidé de faire une morning routine pour plusieurs raisons. Déjà, ça fait 150 ans que j'en ai pas fait et que j'adore. Genre, normalement, dans ma vie normale, j'adore mes petites morning routines. Genre, pas mes vidéos, genre dans ma vie, le matin, j'adore ma morning routine, je sais pas parler. Depuis que je suis partie en Thaïlande, parce que ces derniers mois, je suis partie en Thaïlande et en Corée, je n'ai plus jamais eu de morning routine. Je suis décalée à la mort. J'y arrive plus. Donc, je me suis dit, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va essayer de retrouver une morning routine normale. Ça fait genre des mois que j'ai pas fait de sport. Je mange n'importe quoi. Mes muscles, ils ont fondu, enfin, ils sont inexistants. Je suis la personne la plus molle de cette terre. Donc voilà, on va essayer de reprendre des bonnes habitudes. Écoutez, si on y arrive, je suis pas sûre. Mais pas une morning routine qui dure 10 ans. Parce que dans la vraie vie, on n'a pas 10 ans pour faire notre sport, se maquiller, etc. Donc voilà, écoutez, je vais me faire un matcha. Go! Depuis que je fais ça, les matchas, c'est... ils ont vraiment step up. Voilà mon petit matcha. Je fais tellement toujours ça dans mes vidéos, ça doit être trop lourd à regarder. En ce moment, je suis grave dans une mauvaise phase avec moi-même. Vous voyez, il y a des moments où vraiment on peut plus se voir en peinture. Et bah là, je suis grave dans cette phase. Je sais pas pourquoi. Pourtant, ça, je sais que ça a aucun rapport avec l'été parce que franchement, l'été, je m'en fous. Être en maillot de bain et tout, c'est vraiment pas moi par rapport aux autres, c'est vraiment moi vis-à-vis de moi-même. Attendez, je bois un peu. En fait, j'ai une mauvaise hygiène de vie. Je dors pas. Vraiment, vous savez que l'autre jour, j'ai regardé une ancienne vidéo et je me suis rendu compte que j'avais tellement une bonne mine. Enfin, ça se voyait que je dormais plus. Mais je me plains pas parce que c'est un choix. Genre, je suis trop contente. Je prendrais plus de jours à rien faire ou ce genre de choses. Bah, il y aurait moins de vidéos, ce serait moins cool. Donc, ça ne m'intéresse pas. Clairement, ça ne m'intéresse pas. Mais bref, il faut quand même réfléchir. Et c'est pas forcément la meilleure des décisions parce qu'après, je vais vraiment être KO quoi. En tout cas, je sais pas si je suis la seule dans cette phase-là. Mais je suis pas en phase avec moi-même. On va faire un peu de sport, ça va me faire trop du bien au cerveau. Surtout qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, demain je pars en voyage presse avec l'Occitane. Donc j'avoue que j'ai envie de me sentir bien aussi. Genre juste faire une petite séance de sport la veille, ça va me faire du bien au cerveau. Petite pause dans cette morning routine pour vous dire que cette partie de la vidéo est en collaboration avec Ebenco. Je suis hyper contente, c'est pas la première fois que je vous en parle. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une marque de culottes de règles. Il faut savoir quand même que pour moi, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi on n'a pas commencé par ça directement. C'est incroyable. Vraiment, je ne m'en passe plus. Depuis que j'ai... Alors, combien de temps ça fait? Ça doit faire un an et demi, deux ans que j'en porte et je n'ai plus jamais reporté de serviette. En fait, moi, j'avais peur que ce soit un peu genre sale. Enfin, je sais pas, moi, j'ai toujours peur de ça. Je suis un peu chiante et pas du tout, honnêtement. C'est beaucoup mieux. Il y a plein d'avantages. C'est beaucoup plus confortable. Ça tient beaucoup plus longtemps qu'une serviette hygiénique ou une autre protection hygiénique. Il n'y a pas d'odeur. C'est réutilisable. Donc, c'est bon pour la planète parce que, mon Dieu, on sait à quel point ça pollue toutes ces protections hygiéniques. Et économiquement parlant, évidemment, c'est beaucoup, beaucoup plus rentable parce qu'on garde les culottes vraiment très longtemps. Moi j'adore parce qu'en fait c'est des modèles qui sont basiques. J'aime pas avoir plein de motifs, plein de trucs, et c'est des formes qui mettent vraiment de valeur. Genre moi j'adore ces culottes, vraiment je les adore. On a la culotte Aura et c'est vraiment la culotte de base. La culotte de base, ce que j'aime trop en fait, c'est que c'est pas forcément des culottes qui vont faire des traces sous les jeans parce que c'est de la petite dentelle sur les côtés. C'est pas des gros élastiques que j'aime pas du tout. Et la culotte Maya, pour ceux qui avaient vu la dernière fois que j'en ai parlé, la culotte qui fait un ventre plat, genre je vous jure la forme, elle me fait encore de ouf, donc je l'adore. En tout cas voilà, moi je vous recommande trop de tester, ça change la vie. Voilà, on pense plus qu'on a ses règles, c'est trop bien. Vraiment c'est trop trop bien. En ce moment il y a des soldes sur le site, ça va jusqu'à moins 50%, c'est un truc de fou. Et en plus vous avez moins 10% avec le code ANDI10. N'hésitez pas à vous faire plaisir, franchement vous n'allez pas le regretter. J'ai jamais entendu quelqu'un me dire qu'il avait pas aimé les culottes de règles, même les plus sceptiques. Donc voilà, n'hésitez pas à checker la barre d'infos. Et je vous laisse avec la suite de cette morning routine. J'ai acheté une tenue de sport qui vraiment te donne confiance en toi. Par contre, elle m'a coûté un rein, donc faut vraiment être prêt psychologiquement. Lululemon, go me changer. Vous allez voir. Voilà, vous avez vu, je vous dis, j'allais être une nouvelle personne motivée pour faire ma séance. Oh my god, je vais mourir. Il était au-dessus d'un truc. Regardez la poussière. Mon tapis de sport n'a jamais été aussi poussiéreux.
En gros, avant, je faisais deux trucs quand je faisais du sport. Soit du pilates. Perso, je fais partie de la team des gens qui détestent transpirer de ouf, être hyper essoufflée. Genre, dès le matin, je peux pas. À moins que je sois dans une giga déter de sport. Mais sinon, pour me motiver, c'est trop dur. Donc, j'aimais bien le pilates. C'est trop bien parce qu'en fait, tu fais du sport et en même temps, ça t'étire. C'est trop agréable. C'est trop, trop bien. Franchement, c'est trop cool. Et l'autre truc que je faisais, c'était le programme d'Alex Siren qui est payant pour le coup parce que l'autre, c'est sur YouTube. Et c'est incroyable. Par contre, faut vraiment être déter. C'est un programme de sport qui est trop bien. Mais genre, là, je suis pas dans le mood. Morning pilates, 20 minutes. Ah, vas-y, je vais le faire. C'était incroyable, je vous jure, c'est tellement bien. Si vous avez la flemme de faire du sport, mais que vous avez quand même envie, c'est incroyable. Je pourrais vraiment en faire pendant des heures. Et en même temps, je me sens pas genre épuisée. Et je sens que j'ai genre les muscles étirés au max. Douche, parce que là, c'est l'heure de vous montrer ma super routine make-up. Là, on est... Attendez, cette vidéo sort le 3 juillet. Oh non! Je ne fais qu'une vidéo par semaine au mois de juillet. Ça veut dire que là, la prochaine vidéo que vous allez avoir, ça va pas être mercredi, mais dimanche. Bref, donc là, on est en plein dans l'été. Je me suis dit que ça pouvait être cool de vous montrer un peu un make-up hyper léger et hyper rapide, vu que là, on est en mode speed. J'aimerais bien aller acheter un cadeau. Cette vidéo sort le dimanche. Et bah, jeudi dernier, c'était l'anniversaire de mon père. Et donc aujourd'hui, je vais aller lui acheter un cadeau. Je suis très contente. Donc je vais vous amener avec moi. Bon, en vrai, il y a deux règles pour un beau teint d'été. Mettre de la crème solaire et bien hydrater sa peau. Franchement, si vous faites ça, même si vous faites que ça, vous serez au max du max. 400 couches de crème plus tard, on est prêt. On va déjà fixer nos petits sourcils. Ils sont pas du tout épilés, mais alors pas du tout. Mais je trouve que quand on les brosse vers le haut, du coup c'est stylé. J'aime trop la CC Eye de chez Herbrower. En fait, ce qui est trop bien, c'est que c'est grave pas sec. Et du coup, tu peux trop en mettre sans aucun make-up, sans rien. Ça va juste légèrement camoufler tes cernes en fait. Enfin, c'est trop trop bien, c'est hyper naturel. Genre c'est hyper léger mais ça camoufle. Ensuite la clé c'est de mettre de l'highlighter bien sûr. Là j'ai celui de chez Pie. Oula, j'ai mis de la crème solaire dans mes yeux. Nouvelle highlighter de chez Pie. Donc écoutez, on va se faire plaisir. Mais je suis complètement folle, c'est de l'highlighter. Waouh. Je vais juste mettre un tout petit peu de correcteur là où j'ai des petits boutons, donc c'est à dire ici, et là j'ai des rougeurs. Un peu de blush, c'est le abricot de Rare Beauty. D'ailleurs, est-ce que j'ai le droit de vous dire, je sais pas, au pire ça sera coupé si j'ai pas le droit. Mais normalement il y a un événement pour la marque Rare Beauty et je vais rencontrer Selena Gomez. Comment ça? J'ai rencontré Selena Gomez, ça n'a pas de sens. Le blush c'est indispensable quand on veut avoir bonne mine. Et un peu sur les paupières, un peu sur le nez, en mode coup de soleil. Vous voyez, genre j'ai grave un teint unifié. Il serait peut-être temps de faire ses cheveux après d'ailleurs. On va se recourber les cils. Waouh, on dirait que j'ai du mascara. J'adore, vraiment, astuce. Pour moi, tous les jours, c'est indispensable. Pour les lèvres, moi, je vous conseille de mettre genre un baume... Enfin, je vous conseille, non. Moi, je mets, faites ce que vous voulez. Un baume à lèvres légèrement teinté. J'adore le NARS Orgasm. Et voilà pour le make-up. Bon, on va faire les cheveux parce que le résultat, il n'est pas encore là. Protecteur de chaleur derrière vous. Et on se sèche les cheveux. Il y a un truc que j'aime trop faire en ce moment, franchement vous allez vous moquer de moi. En fait, moi je fais partie de la team des gens qui ont les cheveux plutôt lisses de base. Donc si je dois me lisser les cheveux, c'est pour genre les pointes qui vont un peu partout. Donc ce que je fais, c'est que je fais genre tac, tac, et voilà c'est lisse. Et l'autre jour, je sais pas, je regardais une vidéo, je sais plus ce que c'était. J'ai vu une meuf avec les cheveux genre lisses, mais c'était des baguettes. Et ils étaient tellement beaux, brillants et tout. Je me suis dit, en bref, hein, logique que j'ai jamais ce résultat parce que déjà, je n'ai pas les cheveux aussi brillants. Mais surtout, je me les lisse trop en mode vite fait. Donc autant les lisser comme il faut faire normalement, c'est-à-dire en faisant des séparations, lisser mèche par mèche, tout bien faire. Et je me suis dit, bah vas-y, je vais voir si ça rend bien sur mes cheveux. Et ça rendait extrêmement bien. Genre, c'était incroyable. À deux doigts d'inventer le lissage des cheveux. Et donc en ce moment, je me fais ça tout le temps. Et bah je vous jure que je suis contente. Je fais ça là parce que j'en ai marre d'être dans ma salle de bain. Là j'y vais en mode penny, vraiment mèche par mèche. Du coup pour mon père, en gros ça fait trop longtemps que il a son téléphone et en fait il aime trop, depuis que je fais des vidéos sur YouTube, il aime trop regarder des vidéos sur YouTube parce que du coup il y a l'algorithme qui lui propose
d'autres trucs. Enfin, vous savez comment ça marche. Donc du coup, il regarde des vidéos sur YouTube et il a pas d'ordinateur. Et ça fait trop longtemps que je le vois sur son téléphone, enfin, avec ses lunettes, genre en train de regarder des vidéos, donc c'est galère. Je m'étais dit il y a quelques mois, en vrai, ce serait tellement cool de pouvoir lui acheter un iPad pour qu'il puisse regarder les vidéos et tout. Et comme c'est exactement pareil qu'un iPhone à l'intérieur, je sais que je vais pas avoir besoin de faire un tuto qui va durer quelques années avant qu'il comprenne comment ça fonctionne. Il va tellement me détester quand il va voir ça. Je me suis dit que ça serait trop bien et je vous jure, de ma vie, genre là, ça fait un an que j'offre des cadeaux à mes parents. Avant, je pouvais pas, enfin, on parle pas d'iPad, hein, on parle juste d'offrir un cadeau. Je pouvais pas du tout offrir même un tout petit cadeau, vraiment, enfin, j'étais tellement en galère que là, vraiment, ma priorité en fait, c'est d'offrir des cadeaux. Je vous jure, je pensais vraiment pas que ça pouvait rendre aussi heureux parce que je connaissais pas ces sensations, genre d'avoir acheté un truc, d'être trop content, de donner et tout, parce que je, enfin, c'était hyper rare que je puisse offrir quelque chose, quoi. Donc, on va aller acheter ça. Je vais un peu passer la journée à Paris, j'ai 2-3 trucs à faire. J'ai envie de sucre. Mais en vrai j'ai pas faim, j'ai juste envie de sucre, genre de me goinfrer de bêtises. Mais ça c'est parce que je sais que je vais à Paris et donc il va y avoir toutes les choses que j'aime. Dites-moi d'ailleurs, c'est quoi le plus beau cadeau que vous ayez offert, enfin pas le plus beau, le cadeau qui vous a fait le plus plaisir, dont vous étiez le plus fier d'offrir. Je veux qu'on en discute, genre c'est trop cool, on parle pas assez de ça. Et voilà, plus lisse que lisse. Vous voyez ce que je veux dire? On va s'habiller et on va partir parce que là on va pas s'en sortir sinon. Go choisir une tenue, j'ai vu qu'il faisait 21 degrés et on va y aller en scout, donc on va quand même se couvrir. Tout est là. Oh my god, me dis pas ça. C'est pas totalement sec. Alors si j'ai bien une phobie, un truc que je ne peux pas supporter, c'est les vêtements humides sur ma peau. Je ne peux pas, genre, avoir des chaussettes humides, un jean humide, le moindre truc humide, ça me fait péter un câble. Genre, c'est la pire sensation qui existe. Du coup, go le sécher au sèche-cheveux. Non, je vais d'abord le repasser et ensuite le sécher. Évidemment, je n'ai toujours pas de fer à repasser depuis le temps. Donc, j'ai que ça là et ça va prendre 10 ans. Genre, c'est trop bien pour les chemisiers, les trucs comme ça. Mais sinon, ça met 10 ans. Et voilà, outfit, petit body jean. Et regardez, body dos nu, très mignon. On y va, let's go, il fait tellement moche. Genre il fait vraiment très très gris. C'est nul mais bon. Bisous bisous, à tout à l'heure. Ça s'est tellement pas passé comme prévu. Genre il y a eu que des galères. Mais vraiment, les trucs en rupture de stock, ensuite tu vas ailleurs et nanani nan. On a eu que des galères. On devait acheter d'autres trucs, enfin, une vraie galère. Donc on est rentré et sur le chemin on a pris un couscous. Tu sais que dans cette vidéo j'ai fait du sport et que je me plaignais de mal manger. Et me voilà donc avec un couscous. Un couscous plus une brique. Et on est chez Jérémy, regardez. Les sacs, c'est en cours de préparation pour le vide dressing. J'ai pas blagué hein, je vais vraiment le faire. Et aussi j'ai reçu des petits colis. Mmh, bon. C'est beau avec la plante et les lumières. On voit jamais ton appart dans les vidéos, t'as remarqué? Normal, j'habite pas dedans. Allez hop. Ah non. Ça y est, on est rentré, enfin je suis rentrée chez moi. On est déjà le soir, il est tellement tard. 23h, my god. Go emballer le cadeau de mon père pendant que je vous parle. Tada, un iPad. Je suis tellement heureuse. Je vais essayer de filmer sa réaction comme ça, je la mettrai dans la vidéo. J'ai vu ce qu'il y avait marqué. T'as vu ce qu'il y avait marqué? Oui, mon amour. Waouh. En vrai, j'ai eu un petit coup de mou là. Il faut que je vous raconte. À l'heure où je vous parle, il y a la vidéo du Dua Lipa qui est sortie aujourd'hui. Et en vrai, depuis le mois de juin, je pense, mi-juin, je me mets beaucoup moins l'impression sur le contenu que je poste. Parce que je sais que c'est l'été, il y a moins de monde qui regarde. On n'est plus trop en mode regarder vidéos YouTube. Genre, c'est peut-être le seul moment de l'année où je m'autorise un peu à relâcher. Vu que là, je vais faire une vidéo par semaine en juillet et pas de vidéo en août. Mais je vous jure, j'ai trop tellement peur. Je suis vraiment une meuf, en vrai de vrai je suis archi peureuse et je ne sais pas ouvrir de scotch, c'est très grave. Donc du coup je vous disais, en vrai je suis grave peureuse, genre je veux toujours que tout soit parfait, je suis hyper perfectionniste, je me mets une pression genre de malade pour tout et n'importe quoi. Mais il y a un côté de moi qui est en mode, en vrai genre faudrait pas parce que ça sert à rien. Et un autre côté je me dis, si j'étais pas comme ça, bah il y aurait pas autant de vidéos, il y aurait pas ci, il y aurait pas ça. Donc c'est aussi ça qui fait que ça se passe bien quoi. Bref, tout ça pour dire que du coup je me détends de ouf sur le contenu et que je me suis dit vraiment là, juin, juillet, je veux faire des vidéos, je veux même pas réfléchir à quoi que ce soit, à un titre ou je sais pas quoi, je veux juste filmer des vlogs, genre comme si j'envoyais des vidéos à des potes, genre enfin je sais pas, je veux juste filmer et me détendre. Du coup j'espère que ça vous plaît. Oh my god, j'avais pas vu mais la table il y a un truc sale là, ça l'a un peu taché. Oh non, je suis trop nulle.
Donc du coup j'espère que les vidéos vous plaisent comme ça. Je pense que, je sais pas si ça se voit, que c'est moins travaillé, genre je... Enfin c'est pas que c'est moins travaillé, c'est que c'est moins pensé en fait. Même si toutes mes vidéos en vrai c'est grave spontané, genre je décide d'un truc, je filme et hop. Mais là c'est vraiment genre je me pose zéro question quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Rien d'autre. Putain, il est trop moche mon papier cadeau, mais bon, c'est pas grave. Je suis une grosse merde. J'ai oublié d'emballer la coque avec. Putain. Est-ce que ça se voit que je galère? Pourtant, quand je travaillais au printemps, surtout pendant la période à Noël, et j'en faisais un nombre par jour, jamais de votre vie vous avez vu quelqu'un qui faisait ça. Tadam! Attendez, je vais mettre un nœud. Trop content, c'est trop bien. Avant de vous quitter, je vous montrerai bien les petits colis que j'ai reçus. J'ai reçu un masque Glow Boosting de chez Origins. Trop bien. J'ai hâte de tester. Et j'ai reçu, alors il n'y a rien qui... C'est la première fois que je reçois un colis de cette marque. Laura Mercier, j'aime tellement cette marque. En vrai j'en parle jamais mais j'adore. Et j'ai reçu les blushs crème. J'en ai reçu 5, c'est énorme. Waouh, j'adore les packaging. Venez on teste. Waouh, mais c'est liquide, liquide, hein. Ah ouais, c'est hyper chimenté. Bah j'ai hâte de tester 5 teintes, c'est énorme. Trop bien. En vrai, c'était une courte vidéo, mais ça me plaît aussi ce genre de format. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. J'espère que mes vidéos dans ce moment, ça vous plaît, que vous voyez pas une différence, vous dites pas que je fais pas d'efforts ou quoi, parce que moi j'ai pas cette sensation, c'est juste que j'essaie de moins me prendre la tête, donc j'espère que c'est aussi qualitatif quand je me prends moins la tête. Donc en vrai, je serais curieuse d'avoir votre avis. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je poste 2 vidéos par semaine, une mercredi, une le dimanche, une vidéo par semaine au mois de juillet. Et activez les notifs pour pas le louer, parce que du coup je pense que YouTube va me dire tu postes moins de vidéos, je te mets moins en avant. Mais bon, c'est pas grave. Et n'hésitez pas par contre à me suivre sur Insta, parce que je suis vraiment active tous les jours. Voilà, surtout que c'est l'été, donc il y a plein de trucs cool à faire entre potes, des vacances, des machins, des trucs, donc ça va être sympathique. Et on se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Mouah.